Et yo tout le monde les amis, c'est Phoenix Gaming, comment ça va? Bah moi ça va super bien, je vous retrouve pour un jeu free-to-play sur Steam qui s'appelle Clicker Zero. Donc c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de IKLU, donc le lien sera dans la description. Et c'est un jeu super addictif à ce qui paraît, donc là je le teste pour la première fois avec vous. Donc le but du jeu c'est de cliquer sur les petits ennemis qui sont là, et à force des golds qu'on récupère en tuant les ennemis, bah on gagne des golds pour améliorer soit les... Le clic, après on aura des nouveaux personnages qui vont s'afficher juste ici, et en fait ça va améliorer nos statistiques au niveau du jeu, quoi. Donc là vous allez entendre ma souris bourriner pendant toute la vidéo, c'est génial. Donc voilà, le but c'est de tuer 10 ennemis par niveau. En haut, regardez, il y a 8 sur 10. Donc le but c'est de tuer tous les ennemis du niveau. Il n'y a pas moyen de baisser le son du jeu, non, il n'y a pas moyen. Quality. Non. Community. Bon, on va passer au niveau 2. Hop. Ils sont un peu plus coriaces ici. Hop, on va améliorer nos clics, hein. Hop. Donc là, le deuxième personnage, il fait quoi? Donc là, il améliore les clics, celui-ci. Celui-ci améliore les DPS. Donc là après on a nos statistiques ici, qu'on a là on a 0 DPS. Clic damage, bah 3. Gold 5, ça on a toutes les stats. Si c'est quoi ça? C'est déjà achievement, ça c'est pas important. Donc on va les économiser pour 50 gold là. Donc dès que vous avez des dégâts par seconde, vous pouvez en quelque sorte AFK sur le jeu, quoi. Bon, attendez, je vais juste baisser le son de ce jeu parce qu'il est quand même assez fort, ça peut peut-être vous déranger. Voilà. Ça, je vais pouvoir vous parler sans que ça me dérange complètement. Donc là, voilà, on va faire les 50 gold, on va passer au niveau 3. Donc là, je répète, hein, on peut le télécharger, il n'y a pas besoin d'une grosse compo de PC, donc vous pouvez y jouer, n'importe qui peut y jouer, hein. Et c'est free to play sur Steam, il suffit d'avoir un compte Steam, et puis il coûte pas, mais il pèse 80 euros je crois, donc c'est très très petit comparé à tous les jeux qu'il y a maintenant. Et bien voilà, c'est vraiment peu. Donc les pièces d'or, regardez, j'ai pas besoin de passer la souris dessus, ça se ramasse tout seul, vous allez voir. Voilà, regardez, hop, ça se ramasse tout seul. Donc si vous voulez AFK, genre votre PC tourne une nuit dessus pour améliorer le DPS, regardez, hop, ça descend tout seul, je touche pas à ma souris, ça descend tout seul. Voilà, donc vous pouvez AFK sur le jeu, et puis donc voilà, donc, je vais tuer celui-ci, puis on va aller passer au niveau 3, voilà. Donc voilà, on a fait plus de dégâts par seconde déjà. Ce qui est sympa. Je vais améliorer mes dégâts de clic, voilà. Donc là, je fais vraiment mal. Hop, on en améliore encore. Hop, encore. Bon, là, je leur mets très cher pour le coup. Et si vous jouez longtemps un jeu, vous pouvez arriver à des millions de dégâts, tout ça, ça peut être vraiment sympa. Force de tryhard sur le jeu en quelque sorte. Donc voilà. Donc j'espère que la présentation de ce jeu vous plaît. Donc après, bah, je vous laisserai y jouer, hein. Hop, je vais améliorer encore mes clics, voilà. Donc là, on en met très très cher. Il y a des boss aussi, il y a un niveau de boss. Donc je vais faire, je vais aller jusqu'au niveau du boss, puis je vous glisser. Hein. Donc là, vous voyez, je leur mets très très cher là. Voilà, donc là on va passer au niveau 4. Donc là c'est pareil, je leur mets cher parce que j'ai pris de l'avance. Hop. Là j'en mets vraiment cher, hein, c'est fou, hein. Donc là je vais vous montrer, il y a des carrés noirs ici. Donc là c'est les pouvoirs des héros en gros. Donc là Big Clicks, ça multiplie par 2 mes dégâts. Donc il faut que je sois niveau 10 avec ce héros-là. Et là c'est quoi? Et ça multiplie par 2 les DPS. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà. Hop, on level up. Donc là, niveau 10, on va pouvoir acheter le x2. Donc ça coûte combien? 100 gold. Et ben on va économiser 100 gold, les amis. À moins qu'on ait pas le temps, c'est peut-être déjà l'arène du boss, il me semble, je sais plus. Voilà, ouais, il y avait le gros coffre, voilà. Bah si, c'est bon, on va pouvoir avoir les 100 gold. Donc je vais faire les 100 gold, on va passer au niveau 5. Histoire de faire combien? 22 dégâts. Là c'est un jeu vraiment addictif, hein, je le dis. Là je peux avoir le pouvoir, regardez. Donc voilà.
Paf, paf, 21, tu vois. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts pour le coup. Voilà, donc on va passer niveau 5. Là, c'est le boss. Donc là, faut le maraver. Bon, c'est le meilleur jeu pour niquer sa souris, hein, moi je vous le dis. Là, vous pouvez vous faire des golds easy. Vous pouvez farmer les boss, hein, ça fait vachement de gold. Donc voilà, rect, il y a écrit en dessous. Donc ils ont 1000 PV, hein, donc vous avez un temps imparti pour tuer les boss. Donc le but du jeu c'est juste un cliquet, donc c'est un bon déstresseur, hein, c'est pas mal. Si vous avez ragé sur un bon jeu, si vous avez ragé un coup sur un jeu, bah vous avez la chip, puis ça vaut du temps, en quelque sorte, quoi. Voilà. Donc bon voilà. Qu'est-ce qu'il sait là? DPS. Hein? Qu'est-ce que je prends? Moi je vais améliorer mes clics. Hop, voilà. 35 je fais maintenant. Voilà. Bon. Voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo, hein, les amis. N'hésitez pas à les télécharger. Hein, je mettrai la chaîne de IQLU dans la vidéo. Donc c'est à lui, grâce à lui que j'ai découvert ce jeu. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Donc bah voilà. Merci à tous d'avoir suivi. C'était PewDieGaming. À plus.